Chapitre 15, la victoire finale. Eh oui, c'est comme ça, les super amis. Avant de vous laisser, j'ai un dernier petit compte à régler. Pas avec vous, cependant, mais avec mon ex-associé. Bon voyage et bonne route, Lexounet. Oh non, après toi, Joker. Non, tout va exploser. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Joker? Tu as perdu ta langue, je ne t'entends plus rire. C'est que j'ai une excellente raison. Je ne vois pas du tout ce qu'il y a de drôle à me retrouver fusionné avec toi. Non, dites-moi que je rêve, c'est impossible. Et pourtant, c'est un fait, imbécile. Oh, toi et tes accidents de laboratoire. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir partager une cellule de prison, une place. Oh, où vous voulez, mais pas la prison de Gotham. Pile ou face va m'accuser de lui avoir volé son truc. Il est hors de question que je mette les pieds à Arkham. Non, ça, tu iras là où j'irai, Lexounet. Non, nous irons là où j'irai. C'est moi qui commande ici. Non, c'est moi qui commande ici. Oh, tu t'es pris une tarte à la crème par accident de laboratoire. On s'est pris une tarte à la crème, tu veux dire. Oh, je te trouve même pas drôle. Je te trouve chauve. Non, on est chauve. Non! Alors? Entendu. C'est vrai qu'on forme une très bonne équipe. Contrairement à Luthor et le Joker. Dois-je en déduire que tu es enfin prêt à devenir membre honoraire des Super Amis? L'invitation vaut aussi pour toi, Robin. Mais l'un de nous devra quand même surveiller la Batcave lorsque j'irai assister aux réunions dans le hall de justice. Oui, Cyborg. Hein? Tu as fait du très bon travail aujourd'hui. Allez, viens, vieille branche. Oh, pourquoi ils nous laissent toujours à la table des enfants? C'est seulement le temps qu'on ait assez d'expérience pour former notre super équipe. D'accord, je suis partant. Ah bon? Même si j'ai aucun super pouvoir? Ça a certains avantages, tu sais. Autrement, tu devrais aider Superman et les autres à porter des objets super lourds. Au cas où t'aurais pas remarqué, il y a un tas de monuments nationaux à remettre à leur place.